Et salut à tous, c'est Doc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle actu sur Grepolis. Et tout simplement, on va commencer par une actu qui est sortie il y a quelques jours. J'avais pas fait de vidéo dessus, il me semble. Pour la simple et bonne raison que c'était juste une petite mise à jour, hein, rien de très important. Mise à jour qui arrive mercredi, la 241. Alors, tout simplement, ils ont juste ajouté un bouton pour voir les villes en fait où nous n'avons pas attribué de dieu. Voilà, on va pouvoir sélectionner les villes où on n'a mis aucun dieu, etc. Ils ont modifié un petit peu le truc de la fureur, visiblement, dans les corrections de bugs. Alors, moi, je connais pas trop la fureur parce que je joue sur Bélé en ce moment. Je joue que sur Bélé quasiment et Hyper Boréa. Donc, pour vous dire qu'on n'a pas encore un reste sur ces mondes-là, je ne sais pas si on l'aura. Il y avait une, qu'on appelle, il y avait une suggestion pour les avoir. Malheureusement, pour l'instant, pas de nouvelles. Donc, on verra bien où c'est que ça nous emmène. Enfin, bref, du coup, ils ont, alors, je sais pas trop ce qu'ils ont corrigé parce que du coup, je connaissais pas trop le problème. Mais voilà, ça concerne principalement, enfin cette mise à jour concernait, j'ai l'impression, principalement les divinités, notamment Arès, hein, des problèmes avec la fureur, je sais pas quoi. Voilà, bon, je vous laisse lire de toute façon aux écrans ce qui est affiché, et comme ça, voilà. On recevait aussi des rapports, visiblement, maintenant on peut choisir si on les reçoit ou pas. En fait, j'ai l'impression que c'est surtout des trucs qui auraient dû être ajoutés à la base, hein, des trucs assez simples. Qui rajoute après au final, bon, bah, il n'y a pas de problème particulier, hein, visiblement, c'est vraiment une petite mise à jour, pas grand chose d'important pour le moment. Deuxième petite news, on a le voyage. Qu'est-ce que le voyage? En fait, c'est simplement un jeu sur le forum, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs énigmes. On va devoir répondre à toutes les énigmes, et à la fin, vous devez vous créer un sujet, et en fonction de ça, vous gagnez de l'or. Tout simplement, pour créer un sujet, c'est extrêmement simple, hein. Il suffit de cliquer sur participation, et vous créez votre sujet en fonction de ce que vous avez trouvé comme réponse, hein. Et voilà, donc, alors, j'ai regardé vite fait, et franchement, il y a un truc qui m'a fait. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais regardez, c'est ça. Je peux être de toutes les couleurs et de toutes les tailles et je réchauffe quand nous sommes côte à côte. Franchement, j'ai une idée de réponse, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai une idée de réponse. Mais je suis pas sûr d'avoir la bonne solution en fait, hein. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'ai pensé à un truc direct. Voilà, bon bref. Je pense pas que ce soit la bonne réponse que j'ai. Et on a une troisième petite news. Du coup, c'est vrai qu'on est passé rapidement sur le voyage, on va y retourner vite fait. Donc, au début, voilà, il y a trois énigmes à trouver. À vous de voir, là, on n'a pas le droit de tricher et tout, donc trichez pas, mais bon. Normalement, vous avez tous les mêmes réponses si vous avez tous trouvé bon. Donc, première, c'est trois petites énigmes à répondre. La première est je suis léger, mais quand vous m'emmenez, je suis lourd, j'ai le même nom que vous. Au début, je pensais au truc de l'ombre, mais non, je pense pas que ce soit ça. Parce que c'est assez connu de mettre l'ombre comme ça dans les énigmes, mais là, non, c'est pas celle-là. Ensuite, c'est le produit des parents. Non, le produit préféré des parents pour leurs enfants à la mer. J'hésite entre bouée et pelle. Après, je sais pas s'il doit avoir un sens avec les trois énigmes en fait. Je sais pas c'est quoi le jouet préféré des parents. Je dirais une bouée, non? Des brassards, une pelle, un seau. Ça peut être plein de trucs en vrai. Et là, voilà, là je vous dirai pas ma réponse, du coup vous avez tous compris. Dites-nous se trouve cette photo. Honnêtement, là comme ça, je vois pas. Je pense, pour une petite astuce, il faut enregistrer le fichier. Et je pense que ça doit être marqué dans le nom du fichier, dans l'emplacement, une connerie comme ça. Ou alors avec la recherche inversée de Google, vous pouvez peut-être la retrouver, je sais pas. Bref, je pense qu'en soit. Mais on dirait les arbres de. On dirait pas les arbres de Grépolis. Enfin, ça se trouve, c'est un truc de Grépolis, ça se trouve, c'est en Grèce tout simplement. Bref, je vous laisserai chercher, on n'a pas le droit de tricher, n'oubliez pas. Et là, on doit retrouver le bateau sur le forum. Mais pareil, je me demande si on n'enregistre pas le fichier ou si on va pas dans le truc URL, là, je sais pas comment on fait. Bref, je pense qu'il y a moyen qu'on trouve comme ça. Donc voilà, je pense que c'est pas trop compliqué hein, s'ils ont mis ça. Je vous laisserai faire. Moi, je pense pas que je vais le jouer, parce qu'honnêtement, bon, il y a 3000 heures, hein, c'est pas mal, mais franchement, j'ai la flemme. J'ai encore 25 000 heures de toute façon sur Grepo, donc ouais. Ouais, je passe après. Et j'en profite aussi là, parce que j'ai vu que ça parlait tout à l'heure sur Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord d'ailleurs. J'ai tourné le tuto du coup, comment optimiser les choses là. Ouais, c'est avec ça si vous avez compris quelque chose. Le tuto en fait, comment faire pour gérer 100 villes en 5 minutes. En gros, voilà. Ou gérer 1000 villes en 5 minutes, peu importe. Voilà, c'est ce tuto-là, ça parlait sur le Discord de ça tout à l'heure. Voilà, donc je le dis, j'en profite pour dire, j'ai tourné un tuto tout à l'heure. Il sera diffusé dans les prochaines semaines. Et enfin, dernière news, les Grepo Olympia qui arrivent. Tout simplement, les Grepo Olympia, hein, tout le monde connaît, je pense, les Grepo Olympia d'hiver, les Grepo Olympia d'été, les Grepo Olympia de je sais pas quoi, de 2021. Ils sont là tous les ans. Du coup, voilà, ça va être assez classique, ça commence quand ça commence le 22. Alors, c'est vrai que j'ai pas trop lu ce qu'il y avait, mais ça va être comme d'habitude. Alors, 4 épreuves, vous savez, chaque épreuve, vous pouvez sacrifier des troupes pour ensuite augmenter avec des points vos unités et ensuite avoir des lauriers pour avoir des objectifs. Les alliances,
qui seront dans le top 10, ils auront des bonus, comme d'habitude. Enfin, vous voyez, bon, je pense que tout le monde maintenant connaît un peu le délire des grippes Olympia. Hein, c'est plus vraiment un secret. On l'a eu depuis peut-être, peut-être pas 10 ans, le jeu a pas 10 ans. Quoi, ah, si, il a plus de 10 ans le jeu. Mais ouais, je pense que ça doit pas faire longtemps qu'on doit les avoir. Bref, voilà, pour les actus, j'étais assez rapidement. C'est vrai que c'est des trucs qu'on connaît déjà, alors c'est vrai que je suis passé un peu rapidement, hein, désolé pour ceux qui connaissaient peut-être un peu moins. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez quand même pas à mettre un petit like, un petit commentaire, et puis on se retrouve bientôt.